Alors bonjour, Annick Coupé, Véronèse d'Olrac. Vous êtes ici pour nous présenter un peu vos livres, votre livre Contes et légendes du monde. Est-ce que vous pourriez avant tout nous parler un petit peu de vous? Oui, donc je suis journaliste écrivain. C'est mon septième livre. Il y a un peu de tout. Les seuls. Pour l'instant, le théâtre et la poésie sont les seuls domaines que je n'ai pas encore approchés. Et je ne suis pas trop tentée, bien que je sois dans le théâtre, que je fais aussi du théâtre. Mais justement, peut-être que sachant la qualité qu'on demande au texte pour être joué, ça m'effraie, je crois. Et la poésie, c'est aussi très carré. Et donc ça m'effraie aussi. Et les livres que vous avez écrits précédemment, quels sont-ils, Il y quels sont les avait genres en général? le premier était un roman qui s'intitulait L'énigme de Zatovska. Le second était un livre pour enfants, L'énigme du Valdako. Le troisième, un conte pour enfants. Celui-là, c'était 10 contes, je crois, pour les enfants. Puis j'ai écrit une biographie intitulée Fernand Dernis, sa vie, son histoire, qui est une histoire que je trouvais très touchante. C'était une personne qui était venue vers moi dans le cadre de mon travail de journaliste et qui avait vécu une expérience très traumatisante qui était l'amputation des jambes. Enfin, c'était. Mais ce qui était très beau dans son histoire, c'est que, et c'est ce qui m'a plu, et c'est pour ça que j'avais écrit ce dernier, enfin ce livre-là, c'est que c'était quelqu'un qui s'est amené chez moi debout, qui venait de faire, de monter l'Everest, tout ça en ayant été amputé des jambes. C'était vraiment quelqu'un qui, d'une épreuve, en avait fait quelque chose d'extrêmement fort. Il avait vraiment utilisé tout son potentiel pour être un modèle, vraiment une locomotive pour plein de choses. Et en plus, tout ce qu'il faisait, il le faisait pour des œuvres caritatives, donc des personnes qui étaient à mobilité réduite, enfin des problèmes cardiaques, enfin des personnes qui avaient des problèmes. Et justement, pour parler un peu de ce que vous écrivez Ici. dans ce livre-ci, quel est le genre d'histoire que vous racontez? Je suis très attentive à ce qui se passe aujourd'hui et consciente que là, on n'est même plus au pied du mur, le mur est en train de couler et donc on va vers autre chose. C'est comme on est à l'aube d'une autre société, je reste convaincue de ça. Et donc, sans vouloir être moralisatrice ou quoi que ce soit, ce que j'aime faire, c'est aussi un peu comme l'a fait Fernand Dernis, transformer des choses négatives en choses positives. Et donc là, dans mes histoires, je me suis servi de. J'ai beaucoup voyagé, donc le tour du monde, à part l'Océanie, je l'ai fait. Et donc j'ai pris de chacun de mes voyages tout ce qu'il pouvait y avoir de bon ou de mauvais dans chaque civilisation. Et avec ça, ce matériel-là, j'en ai fait des contes. Et donc d'une façon humoristique et gentille, j'utilise un peu les travers humains pour justement en faire quelque chose de positif. Parfois quand une situation est présentée, même la plus dramatique, d'une façon humoristique, les gens là prennent du recul et voient ça avec sous d'autres angles et ça permet d'avancer. Et donc ça, c'était mon objectif. Mais ce livre s'adresse aux enfants. Mais je crois qu'ils sont le futur. Enfin, c'est clair, ils sont le futur. Là, justement, ce que j'adore chez les enfants, et surtout cette tranche d'âge-là, c'est qu'ils sont très réceptifs à tout ça. Et ils ont déjà compris plein de choses. Ils sont presque déjà dans le devenir de notre future société. Ils ont. Leur sens en éveil beaucoup plus que les adultes et ils ont déjà compris donc ils vont déjà à l'essentiel de plein de choses D'accord. que nous on doit encore apprendre quoi. Même si on est de plus en plus nombreux à en être conscients que là on est vers un basculement. Justement, vous parlez de basculement et nous sommes
au salon pour la femme, la littérature féminine. Justement, pensez-vous qu'il y ait un basculement à ce niveau? Qu'est-ce que vous pensez en général de ce salon, de cette thématique? Je suis fière d'être femme et j'adore ça, mais je ne revendique pas le fait d'être féministe. Pour moi, c'est parfait qu'il y ait des hommes et des femmes. Et dans l'écriture, je trouve que la femme est souvent beaucoup plus narrative et elle va avoir une perception des choses différentes et elle va les relater différemment. Mais l'homme, qui est plus direct et plus analytique, a plein de choses à démontrer aussi. Donc les deux sont complémentaires. Les deux écritures sont très fortes.